plusieurs constats, beaucoup de développeurs optent pour le W langage parce que c'est en français et ils se disent que c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est la même logique que la même logique avec laquelle vous développez en Java, en Python, en Golang, en n'importe quel langage. C'est la même logique avec le W langage. Ce matin, nous allons faire un petit projet avec base de données. C'est-à-dire, vous montrer comment d'abord on crée l'analyse de façon détaillée. De deux, comment on appelle le CRUD, c'est-à-dire le CREATE, le UPDATE et le DELETE. Et on peut aller un peu plus loin. Comment manipuler certains champs, par exemple les champs combo, le champ table, le champ liste, le champ zone répétée, le champ fenêtre interne et même les fenêtres internes. Bref, dans cette playlist qui sera intitulée Les fondamentaux du W langage. OK. Sans trop tarder, nous commençons par créer l'analyse. On va prendre une analyse très simple. Oui. Bon, nous allons faire du classique. OK. Créer rapidement. Bon. Analyse, on va. Bon, j'ai dit. Bon, je peux dire auto-école, quelque chose comme ça. OK. Voilà, nous avons créé notre premier fichier que nous allons remplir un certain nombre d'informations dessus. Alors, le fichier auto-école a quoi? Le nom auto-école. Voilà. Il y a souvent, on met souvent désignation. Ici, je vais vous expliquer. Nous avons là 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Alors, la première colonne, c'est pour les clés. Actuellement, l'ID, c'est une clé automatique. C'est-à-dire, c'est une ID automatique qui s'incrémente de façon, si je peux me répéter, automatique. Maintenant, la deuxième colonne, c'est la politique de protection de données en France. Bon, je ne sais pas si c'est appliqué en Afrique. Le nom, c'est le nom logique. Quand, par exemple, nous allons commencer à manipuler la base de données, ce sont ces noms appelés rubriques que nous allons manipuler. Libellé, c'est les informations affichées à l'écran de l'utilisateur. C'est-à-dire les informations IHM. Le type, encore appelé type de données. Comme ici, on voit ID automatique. Ici, c'est texte. Vous voyez, il y en a plusieurs. Type monétaire, date, booléen, heure, image, son, interrupteur, ainsi de suite. La taille, c'est la taille de la rubrique. Par défaut, la chaîne, c'est 50. Le numérique, c'est 4 ou 8, ainsi de suite. Donc, on continue. On met, excusez, téléphone, école. Si on peut dire numéro de téléphone. Email, école. Maintenant, pour l'email, qu'est-ce que je fais? Je clique sur cette flèche métatype. Je prends email. Je soulève légèrement et je valide. Voilà. Adresse. Même chose avec adresse. Je cherche adresse, oui.
Voilà. OK. Maintenant, ah, j'allais oublier quand même le promoteur. Je vais dire responsable. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? OK. Là, maintenant, on va attaquer d'autres notions. Notion de clés composées. Je mets ça en clé doublon. En clé doublon. En clé doublon. En clé doublon parce que je vais les manipuler. Donc, en mettant en clé doublon, c'est pour faciliter les recherches. Par exemple, si je ne mets pas ça en clé doublon ou en clé unique, quand je ferai H les recherches, l'assistance de saisie ne va pas me proposer les rubriques à manipuler. OK. Maintenant, je fais une clé composée entre, par exemple, le nom et le promoteur. Pourquoi? Parce que un même promoteur, par exemple, peut avoir plusieurs auto-écoles. C'est-à-dire, je vous dis, l'analyse, c'est juste la logique. Oui. Alors, je valide. Mais quand même, chaque auto-école doit au moins savoir comment dirais-je, un numéro de téléphone unique, une adresse e-mail et tout ce qui va avec. Quand maintenant je termine, je valide. Alors, sans toutefois tarder, voilà, nous avons terminé avec l'analyse. Dans la suite, nous allons voir comment on peut remplir les données et nous allons voir les différentes façons de manipuler certaines données. OK, à tout à l'heure.